Salut, c'est Frédéric. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en détail la bonne box spéciale Noël. Et oui, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo où je vous présentais 5 idées de cadeaux de Noël original, donc que je vous mets ici si vous n'avez pas vu. Donc je vous mets le petit lien dans le i là. Je vais vous la présenter en détail parce que là, je vous l'avais juste montré un petit peu comme ça. Et donc, voici la box. Elle est vraiment super belle. Donc, je ne sais pas si vous pouvez encore la commander et vous serez livré pour Noël, je ne sais pas. Donc, allez vite voir ça dans la barre d'infos. Je vous mets le lien pour la box. En tout cas, elle est vraiment sublime. Si vous avez envie de voir en détail ce qu'il y a dedans, je vous convie de regarder la suite de la vidéo. Donc, ça s'appelle Noël sous les étoiles, c'est absolument sublime. Voilà, donc la sélection de Noël. Donc vous avez 5 produits plus un petit cadeau apparemment que je n'avais pas vu. Ensuite, vous avez 3 recettes à l'intérieur également, toujours dans les mêmes couleurs. C'est vraiment trop beau. Donc effectivement, je n'avais pas vu ça. On a une carte cadeau abonnement premium de moi à l'Académie du goût. Vous avez 5000 recettes de chef. Voilà, je trouve c'est super bien. Donc voilà, ça je ne savais pas. Vous l'avez également à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ah tiens, il nous présente une box beauté. Alors ça m'intéresse aussi. Prescriptionlab.com. Bah tiens, j'irai voir ce que c'est ce truc-là. Ça a l'air pas mal. On a toujours le jeu concours également. Allez, donc voici la sélection de produits. Donc déjà, on voit que la boîte, elle est vraiment très belle. Ceci, ça rappelle la neige. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, on va commencer par ceci. Donc, c'est une préparation bio. Alors, ça, c'est très bien. Donc, préparation bio pour faire du pain d'épices. Voilà. Donc, il faut juste rajouter du miel et du lait et c'est tout. Par contre, je voulais le faire. Je voulais le faire pour vous le montrer dans la vidéo. Et en fait, il faut le faire la veille. Donc, comme je veux absolument que vous ayez la vidéo samedi matin, donc là, maintenant... voilà, c'est dommage, mais je le ferai, je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas. Ensuite, à l'intérieur, on a un petit pot avec du thé des neiges. Voilà. Donc, le thé des neiges qui vient de la compagnie Coloniale, un mélange de thé vert et de thé blanc. Paille moutane aromatisée à la pomme cuite et aux fruits rouges parsemés de pétales blancs et de perles d'argent. Ça fait rêver. Alors, on va l'ouvrir. Oh, 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 mais ça sent trop bon. Non, mais c'est sans déconner. Hein. Oh, j'adore cette odeur, mais ça sent la pomme au four. Ça sent grave la pomme au four. Et le... je sais pas. Ça sent super bon. Mon Dieu que c'est bon. J'ai trop hâte de le goûter. Donc c'est une série limitée de la bonne box. Oh, j'adore. Si j'aime ce thé, je l'achèterai en grand format parce que ça sent trop bon. Ensuite, à l'intérieur, on a un confit de figues au laurier. Donc ça, c'est parfait. Focus. Merci. C'est parfait pour accompagner le foie gras. Franchement, c'est trop bien. Oh, ça sent trop bon. Je vais juste goûter comme ça avec mon petit doigt. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est bon. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Alors, je ne suis pas fan de foie gras parce que j'adore les animaux et d'avoir une image d'oie qui se fait gaver, je n'aime pas ça. Mais bon, quand il y en a, j'en mange quand même. Hein. Voilà, j'essaye de ne pas faire trop ma difficile, mais ça, avec le foie gras, ça va être trop bon. Ensuite, nous avons une moutarde arôme truffe noire. Voilà. Un joli petit pot comme ça. Alors, ça vient de Côté Garrigue.
côté garrigue. Alors, je vais l'ouvrir. Wow, ça sent... Oh, elle sent bon. Je vais aussi la goûter comme ça avec mon petit doigt. Oh la vache, elle est trop bonne. Alors, elle pique. Hein. Oh, mais elle est bonne. Ah ouais, c'est vraiment un bon goût. Mais vous savez quoi, vous allez rire, mais on sent la truffe. Je pensais que ça passerait inaperçu, en fait, pas du tout. Donc, on sent bien la moutarde, mais alors, il y a vraiment cet arrière-goût de truffe. C'est délicieux. Donc, ceux qui ne savent pas, la truffe, c'est un petit goût de champignon. C'est vraiment particulier, mais c'est très, très bon. Et franchement, Evan et Michael, ils vont adorer. Ils adorent la moutarde. Ils en mangent avec tout. Donc, celle-ci, je vais la mettre à table dès ce soir. Et puis, on va voir ce que ça donne. Mais je suis sûre qu'ils vont adorer. J'ai oublié de montrer le petit magnette. Il n'est pas trop beau? Voilà, regardez-moi ça. Je les ai tous sur mon frigo. Ils sont trop beaux. J'adore, vraiment très très beau. Et enfin, nous avons une petite tablette de chocolat Marou, faiseur de chocolat. Voilà, ça vient du Vietnam apparemment. Un chocolat aux arômes d'épices, de fruits et de miel, élaboré à partir de cacao fin, cultivé aux alentours de Cho Gao dans le delta du Mekong. Bah écoutez, moi, on va pas se mentir, j'ai très envie de le goûter. Déjà, le papier, il est beau. J'adore. Oh, c'est trop beau. On dirait le truc de Willy Wonka. C'est un emballage Willy Wonka. Et si on retourne, ça fait un W. J'ai peut-être gagné une entrée pour la chocolaterie. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Bon, elle est cassée en deux, mais c'est pas grave. Regardez comme c'est trop beau. Et magnifique cette tablette de chocolat. Alors, je vais en goûter un tout petit bout. Ah, c'est très fort. Je ne suis pas du tout amatrice de chocolat noir, mais je peux sentir que c'est du bon chocolat. Et on sent vraiment les épices. Hein. Ouais. C'est du bon chocolat. Malheureusement, je ne suis pas fan. C'est vraiment amer. J'aime pas trop, mais Michael, c'est sûr, il va adorer. Les gens qui aiment le chocolat noir, je suis sûre qu'ils apprécieront énormément. Donc, voilà ce que contient la bonne box de Noël. Franchement, je trouve que c'est un super coffret. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai. Donc, je vous mets tout dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les produits qui se trouvent dans cette bonne box? Moi, je vous retrouve demain pour une vidéo pareille, spéciale culinaire, mais elle est très particulière et franchement, il faut la regarder, vous allez adorer. Nous, on a adoré. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous invite également à aller voir ma dernière vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !